gars, c'est Susu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur South Park Fun Destroyer. Et comme tu peux le voir, nous sommes en pleine cinématique de début de jeu parce que je viens de lancer le jeu. Il n'est, comme tu peux le constater, pour l'instant qu'en anglais. Même si les menus sont traduits en français, mais les voix, on n'a pas la voix française, je crois pas. Voilà, ils disent que les enfants sont tout le temps au téléphone et qu'ils veulent, qu'ils veulent créer un jeu pour devenir le maître du téléphone. Mais il a dit qu'il allait faire un FaceTime, attendez quelques secondes. MDR, j'ai Cartman qui m'appelle vraiment sur mon téléphone, les bros. Swag. Ok, j'accepte. Hey, new kid, we need you to come play with us. Put on some cowboy shit and meet us outside. And bring your phone. Ok, en gros, il m'a dit, hey kid, hey gamin, viens, on a besoin de toi, ramène ton téléphone. Ok, donc on peut créer son personnage. Personnalisé. On va faire un mec. Est-ce qu'on fait un Renoir, les bros? On va pas faire un Renoir, on va faire un mec métis un peu, genre. Au niveau de sa coupe de cheveux, des sourcils. Ah, ils me font rire, les mecs, quand les sourcils commencent. Donc comme ça, c'est rigolo. Au niveau des yeux. Ouais, ça, c'est stylé aussi. Ah, ça aussi. Ah, je sais pas, les gars. Ah, c'est stylé, je savais pas qu'il y avait de... Qu'il y avait de la personnalisation dans le jeu. Est-ce qu'on fait pas celui... Est-ce qu'on ferait pas You, celui qui est en mode... le mec est défoncé, quoi. C'est lui, je crois. Lui, il est swag aussi. Je sais pas lequel prendre, les frérots. On va faire un mec... un mec genre... ouais, un mec genre qui est défoncé, comme As. Au niveau de sa bouche, on va faire quoi? Ah, swag. Ouais... J'aime bien celle-là, on va faire celle-là. Mon personnage ne ressemble strictement à rien, les gars. Mais à rien du tout. Oh! Non, dégueulasse, la coupe des cheveux. Mais non, respecte-toi, frérot, respecte-toi, putain. Non. Putain, ça, c'est moche, hein. Y'a pas autre chose? Y'a pas une autre possibilité de, au niveau de la chevelure? Non, y'a pas beaucoup de choix au niveau des cheveux. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Pilosité faciale, un swag. On va se mettre quoi? On va se mettre quoi? La barbe. Vas-y, on va faire. On va faire un espagnol. Ouais, chico, chicas. Soy Zoro de la Night. Ok, joué. As-tu fini de personnaliser le personnage? Oui, let's go. Alors, comme tu peux le voir, le jeu est en français, même si les voix sont pas encore en français. Et je ne l'ai. Ah, attendons. Alors là, Cartman, il nous parle. Et je n'y ai quasiment pas joué. Alors peut-être pour que ce soit plus lisible pour vous, je vais changer quelque chose, les frérots. Hop là, je vais mettre le bord un peu moins voyant. Et on va le mettre... et on va le laisser comme ça. Voilà. Alors, Cartman, allez, c'est parti, le bleu. Traîne sur le champ de bataille. Traîne-moi sur le champ de bataille. Ok, donc on a des cartes. J'ai traîné Cartman sur le champ de bataille qui a pop. Stan, stop, visage pâle, je suis Stan aux mille lunes, le plus grand guerrier du téléphone. Aucun cowboy ne passera. Pas si vite. Le peau rouge, le bleu passe encore plus de temps au téléphone que toi. Ok. Dans ce cas, battons-nous. Allez, let's go. On va commencer à niquer les darons. Je suis un tank. Le bleu, les tanks sont lents, mais peuvent encaisser d'importants dégâts. Ok. Il tape tout seul, en fait. J'ai besoin de renfort, joue Kyle, le flingueur derrière moi. Kyle le flingueur. Ok, on joue Kyle le flingueur. Les unités à distance ont une santé plus faible, mais peuvent attaquer depuis une position plus sûre. Ok, ça me va. Il s'enfuit. Stylé, genre en mode avec les petits messages qui pop et tout, les gars. Vraiment, ils ont fait un effort au niveau de la recherche graphique. Là, on peut mettre Léon. Sally est une assassine, joue là. Pour régler les comptes des archers, ok. Ah, énorme! Les assassins possèdent une santé faible, mais sont très rapides et infligent d'importants dégâts. Ok. Ah bah en fait, une fois que tu les as posés, tu peux plus rien faire. Une fois que t'as posé les persos sur la map, ils jouent tout seuls, à l'image de Clash Royale, ou de Clash of Clans. Touche la bulle pour activer mon pouvoir. Énorme! Bien visé le bleu, tu as peut-être l'étoffe d'un adjoint. Ok.
Pour l'instant, c'est vachement agréable comme jeu. Tu as été ajouté au chat de groupe. Le bleu vient de se tataner le chef indien. Hashtag cowboy forever. Ouais, mais contre mon deck de base. Les cowboys sont des noobs. Le bleu va morfler sévère à la prochaine manche. T'as entendu ça, le bleu? Tu vas accepter ces conneries sans moufter. Ok. On clique sur continuer. Touche la marque de niveau pour poursuivre la traque de Stan aux 1000 lunes. Ok, vas-y. On clique sur Stan aux 1000 lunes, frérot. Ah, mon perso, il est insane. Niveau difficulté, pas besoin d'expliquer. Ok. Ah ok, c'est le truc qui nous a joué. Let's go. Let's go, let's go. Est-ce qu'on va peut-être faire une invocation, genre à la fin, tu vois? L'énergie augmente au fil du temps. Il faut dépenser de l'énergie pour jouer une carte. Ok, un peu comme Clash Royale, du coup. Maintiens appuyé sur une carte pour en voir les détails. Cette icône indique la classe d'une carte. Bouclier égale tank, dague égale assassin, épée égale guerrier. Donc il y a trois classes. Donc là, il me demande de mettre lui. Ok, on pose lui. On est encore à 5. On peut poser genre... Lui, il est quoi, lui? J'ai pas vu, merde, c'est écrit où? L'épée, c'est un guerrier. Ok, on va mettre un deuxième guerrier. Et après, on va mettre un assassin, peut-être. Ou un cac. On va mettre un cac. Et puis, tu sais quoi, on va tout mettre. Parce qu'on a largement là, quoi, tout poser. Et on peut poser le last. Et là, on avance. Ça ressemble quand même vachement, ouais, en termes de gameplay à Clash Royale. Tu ne fais pas le poids contre moi, visage pâle. J'ai des cartes plus puissantes que tu ne l'imagines. Kenny l'Inuit. L'Inuit. Baroud d'honneur, tue l'espèce d'enfoiré qui a tué Kenny. Haha, stylé ça. Grave stylé. En gros, quand tu le butes, il bute la carte qui t'a buté. Kenny l'Inuit. Et là, on joue au cowboy aux indiens, trouduc. Techniquement, les insultes sont des amérindiens. Les inuits sont des amérindiens. Mort au cowboy. Ok, go, du coup, on va faire l'attaque spéciale de Cartman. Ah, du coup, va me buter le Cartman, non? Ah non, on a pas encore buté l'inuit. Vas-y, y a des cartes qui pop. Oh, mon Cartman est mort. Mon Cartman est mort, les frérots. You kill Kenny, you bastard. Stylé. Ok, j'ai buté Kenny. Hein. Victoire, continuez. Putain, le jeu est vachement sympa, les gars. Ces casiers renferment 3 objets spéciaux, tâche de les trouver. Ok. On a récupéré des thunes. Oh, on a récupéré la boule de feu MDR. Inflige des dégâts aux ennemis dans la zone ciblée. 30 points de dégâts si le chef ennemi est touché. Génial, tu as chopé la carte de boule de feu, elle est désormais dans ton deck, certains-en lors des prochains combats. Et encore des thunes. Ok. Punaise, tu m'as tué, espèce d'enfoiré. Ah ah ah, je rigole. Les cowboys gèrent trop, les gars, vous avez vu le bleu fracasse cet indien. Ouais, les indiens ont perdu. Vas-y, jouez, let's go. Alors, le jeu est vachement cool. Alors, pour ceux qui se demandent, le jeu est disponible actuellement seulement sur iOS, donc sur iPhone, et moi, je l'ai téléchargé via le store, l'iPhone Store canadien. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible sur le store français, me semble-t-il, au moment où je fais la vidéo. Oh putain! Vas-y, on va mettre Cartman. On va mettre un tank. On va mettre un cac. Le cercle orange sous Cartman indique le délai d'utilisation de son pouvoir spécial. Ok. Et on va balancer la carte qu'on vient de drop. Le grand cercle autour de Cartman indique la portée de son pouvoir. Ok. Donc genre là, tous ceux qui sont dans son cercle vont mourir. Ils vont se faire rect un peu. Ah, faut faire attention, Cartman est en train de tanker mais c'est rect. Alors, heureusement on a Sally, c'est une assassin, hein, de ce qu'on en a capté tout à l'heure. Ah, le bon vieux Kenny. Donc on va remettre un tank. Enfin un guerrier. Oh derrière, ça arrive derrière. On peut poser derrière ou quoi, en scred? Nice. Continue de te battre le bleu, tu rejoindras bientôt Stan. Faut rejoindre Stan les gars. Te débrouille bien, un téléphone à la main, le bleu. Mais je vais jouer mon compteur de mythes tribaux. Très bien, très bien. Compteur de mythes tribaux. Jimmy le compteur. Aura réduit l'attaque de tous les ennemis proches. Ok? C'est stylé. Franchement, c'est vachement stylé. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je compte sur vous pour balancer un maximum de pouces bleus pour cet épisode sur South Park. Et me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur South Park. Fun Destroyer. Et puis voilà, ça en est fini des cow-boys. On va attendre, on va balancer un Cartman en scred ici là. Hop là. On balance Cartman ici là. Franchement c'est trop drôle de jouer avec les persos de... Avec les persos de... Comment ça s'appelle? Ah! On a l'ultime, on a l'ultime! Attention c'est parti! On défonce tout le monde! On va balancer le hors-la-loi. Oh, là on les recte, là on les recte. Là on les recte de fou les gars. Alors je suppose que le jeu c'est comme tout, tous les jeux du genre, hein, tu balances des thunes pour pouvoir ouvrir des coffres et avoir des nouveaux persos, je suppose que c'est le même délire. Alors on va ouvrir celui-là. Tunique de l'Indien. Voilà celui-là. Et on va ouvrir celui-là. Oh lol. Twerk lore la loi, x1. Ok nice, on a droppé une carte, je sais pas si c'est obligatoire quand tu commences, si c'est de la chatte. Touche ta maison pour changer de tenue. Genre les tenues ils ont des les stuff à des trucs spéciaux genre. Change le haut de ton corps en touchant onglet haut. Ok. Ah d'accord, on veut juste à faire ça en fait. Je devrais colorer en rose. En rose. Ok. Comment savoir lequel est le mieux? Moi j'aime bien celui-là. On va pas mettre en rose, hein, nique sa race, hein. Ah ouais, c'est ça donc qu'il voulait qu'on mette en rose. On va le mettre... Oh, putain, on peut vraiment tout personnaliser, genre. On va le mettre en blanc. Ça, on va le mettre en bleu. Et ça, on va le mettre en rose. Le chapeau rose me va très bien. Me va à ravir, les frérots. Deck 1. Ok, on se casse, du coup. Maintenant, on va te la raconter avec ton nouveau look, ok? Ah, il faut aller là. Continuez. Oh là, c'est chaud d'être un Indien. Le bleu vient de me défoncer ma race. Le bleu t'a défoncé le cul? J'espère que je suis pas ad-friendly, hein, que je vais pas être démonétisé. Hein. C'est le jeu qui est comme ça, YouTube. Ouah, le bleu se débrouille comme un chef avec son téléphone. BJ, genre BJ. T'as remarqué qu'il avait accès au chat de groupe, pas vrai? Ok, ok, Cartman qui vient de capter quoi, je voyais tous les messages. Et le mec, Kyle m'a piqué mon téléphone, il a pas écrit de Black Forest, j'espère. Ok. Bien essayé, gros derche. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, genre? Faut cliquer là. Et là, on joue, c'est ça, les amis? Allez, let's go, jouer. On fait une dernière partie, et puis je pense qu'on va se laisser là, les frérots. Le jeu, en tout cas, semble bien agréable. Faut mettre Cartman en first, en mode tank. And a new sheriff in the town. Et je pense que twerk lore la loi, c'est... Vas-y, là, on fait l'ultime de Cartman. Il faut défoncer l'autre, là, l'espèce d'Indien, là, mon gars. Il me fait tarpan dommage. Voilà, il y a vraiment besoin de mettre si peut-être une salie. C'est rapide. Ok, on avance tranquillement. Tranquillement, mais sûrement. Est-ce qu'on remet un autre perso? Ah là, j'ai fail. J'ai fail, j'ai tiré n'importe où. J'ai tiré n'importe où. Putain, je suis vraiment bigleux. C'est vrai que la carte boule de feu, j'utilise pas trop. Peut-être l'utiliser après. Genre là. Genre ici. Oh! All one shot! All one shot! Ok. On attend que Cartman repop. On a 3 de. Je sais pas comment ils appellent ça, mais en tout cas, on en a 3. On met Cartman. On va aller attaquer directement les Indiens. On va lui trancher la gorge, les yeux, la tête. T'as du cran bleu, mais tu ne pourras pas résister à ce qui t'attend par la suite. Token le chaman, aucun pouvoir spécial. Bah s'il a aucun pouvoir spécial, du coup Ozef un peu, non? Ok. Ta mort sera lente et douloureuse. Waouh, je savais pas que les Indiens avaient des esclaves.
Oh les bâtards. Oh la blague elle... Oh la blague elle est 100% les gars. Je ne suis pas un esclave, je suis un chef spirituel. C'est ce que disent les Indiens quand tu bosses pour eux à l'œil. Bon, fermez vos gueules les cow-boys, préparez-vous à mourir. Ok, ok. I will break your phone. Je vais casser ton téléphone. Vas-y, on fait l'attaque spéciale. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse la boule de feu là. Hop là. Je sais pas si ça défonce mon Cartman aussi, non? Apparemment non. Voilà, Cartman s'est fait défoncer. Cartman s'est fait défoncer, je répète, Cartman s'est fait défoncer les frérots. Il faut attendre, il va pouvoir repop. Wow. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Cartman? Ah quand même, hein. On est en train de se faire défoncer de ouf. Allez Cartman. Hop là, on va retanker avec Cartman. Maintenant on va pouvoir renvoyer les sbires. On va envoyer Sally. Et voilà, le chaman est dead les amis. Le chaman est dead. On a fait le taf. Victoire, continuez. On va prendre ici. Ici. Oh nice. Nathan inflige des dégâts de zone avec des bombes explosives. Propre. Il est de... C'est un guerrier apparemment. C'est un guerrier. Et on a récupéré des plumes indiennes. Je sais pas à quoi encore ça sert. Mais en tout cas, ah, Cartman qui m'appelle. Cartman m'appelle les frérots. Ok Cartman, qu'est-ce qu'il y a? Hello there, my name is David Cottonbear, senior head of marketing. We've heard that you're really good on your phone. Ok, on a remarqué que t'étais vraiment très bon. Je suis responsable marketing. On a remarqué que t'étais vachement bon avec ton téléphone. Hello. Oh yeah, I forgot you don't talk. Ok. Ah ok, très bien le beau message de Timmy. Qu'est-ce que tu fous Timmy sur notre chat de groupe? Il sait même pas taper au clavier. Timmy. Waouh, je retire ce que j'ai dit. Ok. Touche la boutique, le bleu, quelqu'un t'attend à l'intérieur. On va toucher la boutique et puis enfin on va stopper là. Je pense que c'est là qu'on va faire les invocations les frérots. Voilà les trucs cool que tu peux acheter dans la boutique. Sérum de puissance, ok. Ils sont sympas dans cette boutique, ils t'offrent même gratuitement des cartes. Ah, le premier pack opening les frérots. Attention, je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus pour choper du lourd dans la première ouverture de pack. Let's go, on ouvre. Allez, première carte, des thunes. Deuxième carte, des thunes. Troisième carte, un vieux fossile. Quatrième carte, tête de flèche. Et cinquième carte, horde de rats. Quatre rats venant probablement de chez Kenny. Ok, ok, ouais. Bon, je sais pas si c'était un pack de ouf. Non, j'active pas les notifications. Toutes les 4 heures, on peut ouvrir un pack, apparemment. Plus de trucs, est-ce qu'on a autre chose à dropper? Ah, gratuit. Ce pack est gratuit parce que tu es trop fort avec ton iPhone. Enfin, avec ton phone. 10 cartes, dont au moins 2 rares et aussi plus de 400 objets et 15 objets d'amélioration. Ok. Eh ben, let's go, les amis. On ouvre le pack immédiatement. C'est parti. Oups, j'ai mal ouvert. Allez, qu'est-ce qu'on va dropper? J'espère qu'on va choper du lourd. Première carte. Ok, des thunes. Fossile encore. Sérum de puissance. Plume indienne. Tête de flèche. Étoile de shérif. Ouh, là, je sais pas ce que c'est, mais elle a l'air stylée, la carte, là-bas, au fond. Bandita Sally, ok. Calamity Heidi. Et là, pluie de flèches. Une épique. Blesse tous les ennemis. Ok. Gang de pigeons. Rare is good. Terence Mephesto, un bombardier qui inflige des dégâts à effet de zone. Ok, why not? Why not, why not? On nous offre pas un autre truc. Non, malheureusement, non. Pack gratuit dans 3h59. Ok, les gars, bien écoutez, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Encore une fois, si c'est le cas, pense à lâcher un gros pouce bleu des familles et à t'abonner, à te réabonner si t'as été désabonné. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être sur Spark, on verra bien. En tout cas, je te fais des bisous, puis je te dis à très bientôt. Ciao!